wonderful day. The sun in the sky has a smile on his face, and he's shining a salute to the American way. Oh boy, it's well to say, good morning, USA. Surprise. C'est mon vignoble. Oh, Francine, tu es folle. Je n'ai jamais rien dit parce que ça faisait trop fille. C'est un rosier rose. Je l'ai planté pour commémorer la première fois qu'on a fait l'amour ensemble. Et même si ce moment a duré que quelques secondes, ce rosier durera lui toujours. Regarde ça, chérie, il y a plein d'autres gens qui ont planté un rosier rose tout comme toi. Non, ils sont tous à moi. Hein? Pour chacun des hommes avec qui j'ai déjà couché. Mais t'as été mon dernier. Avec tous ces gars. Tant que ça. Je suis le plus grand jardin sexuel de toute l'Amérique. La rumeur veut que dans ses entrailles inexplorées, il y a une très ancienne tribu qui n'a encore jamais vu un homme blanc. Salut, grand soeur. Attends un peu. C'est quoi ça? Alors, couleur rouge, boisson énergisante. C'est parce que j'ai un examen final. Oh ouais, ça décroît! Il faut que je prenne ça en note. L'évolution, c'est comme un IKEA pour animaux. Ta canette dirigée est intrigante. Alors, vas-y. Peut mener à d'extrêmes extrémités. Pas trop, trop sûr. J'ai l'habitude de garder ma tête sur mes épaules. Alors, vas-y. Non, non, non. Calme. Je me sens tout drôle. Hey, je sais pas trop ce qui se passe dans mon corps. Ça fait... Oh, ça fait... Everybody dance now. Francine, ça ne donne rien, ça ne va pas marcher ce soir. C'est vrai, il y a des façons de traiter ça. Méditation, Cialis, Ginkgo Biloba. C'est pour ta mémoire, parce que t'as oublié comment bander. C'est pas moi le problème, c'est toi le problème. Je n'ai jamais couché avec personne d'autre à part toi. Mais toi, tu as un jardin sexuel qui a fait la couverture du jardin sexuel magazine. Oh, c'est de ce dont on parle, mon passé. Oh, Stan, c'est juste du sexe. Le sexe sans l'amour, ça veut rien dire. Francine, je t'écoute parler, je te regarde dans les yeux, mais tout ce que je vois, c'est toi qui te fais pilonner plus qu'on m'a biche avant le dernier assaut. Ok, c'est assez. Est-ce qu'un gars peut s'asseoir dans un garde-robe et se saouler avec les souliers de Francine sans subir un parade d'obscénité? Je veux pas savoir ce qui se passe dans votre chambre à coucher. Hey, si, c'est jeudi soir, ça veut dire que c'est le temps d'exciter quelques pédophiles sur Internet. Un vendeur d'assurance en Ohio veut que j'aille avec lui à Disneyland. Dis donc, pourquoi est-ce que t'as mis ton ordi en pièce? Mais je veux savoir comment ça fonctionne. Et je sais que c'est électrique, mais il faut que ça soit un peu physique. En fait, c'est pas magique, c'est électrique. Quelqu'un doit bien pousser des trucs, il doit bien pousser des trucs comme une horloge. Ça le dit qu'il faut ça. Non, c'est de la précision, juste de la précision. Des trucs qui poussent d'autres trucs. Souche, 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 souche. Cousons les journées au cri d'intérieur. Faudrait que tu lâches le cougar boost. T'es mieux de te réveiller pis d'écouter ce que tu dis, Jack. J'ai peur. Je reste ici avec toi, Pédèse. Hé, chérie. Oh, Stan, je sais que ça peut être passé ces derniers temps. Alors j'ai décidé de nous réserver une petite escapade au Texas, là où le président prétend être né. Qu'est-ce que tu fais, Stan? Tu médites depuis plus d'une semaine. Non, je ne peux me défaire de ce que j'imagine. Toi, faisons l'amour avec tous ces hommes. C'était pas faire l'amour. C'était du sexe, mécanique, dégradant, sans faire des ampoules aux genoux. Ça voulait rien dire. C'est faux. Tu racontes tout ça juste pour me faire plaisir parce que j'ai jamais couché avec personne d'autre. Alors tu dois le faire. Je dois faire quoi? Pas donc coucher avec une autre femme. Alors là, tu dérogues le sexe avec une personne que t'aimes pas, ça vaut pas grand-chose. Ne sois pas ridicule, pas question que je vous l'entende. Tu as ma permission. Mais non, celle du Seigneur. Je t'ai juré fidélité à notre mariage et je ne le jure jamais à la légère. Comme la fois où je suis allé voir le sixième sens et j'ai juré de ne révéler à personne le coup de théâtre à la fin quand j'ai coupé les joueurs fonctionnels et que je le sauvais. Il faut trouver une solution. Je m'excuse, Antino, je ne vois aucun moyen de solutionner ça.
Mais qu'est-ce que c'est ici, moi?